بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أنفعكم أن ننذير ici nous fait une réunion pour un aqiqa, aqiqa d'une petite fille qui Allah remplit sur la vie avec barakat. Maintenant, pour cause un tigin, la guidance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous Rasul india concernant les enfants, qui est une petite chose qu'il india nous fait sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, peu importe quand un enfant prend naissance dans la case, alors, il dit, illa asbaha fihim izzun lam yakun. Alors, ça la famille-là, je gagne une valeur qui je passe en avant. Je gagne un lunaire. Alors, un enfant qui a venu, il y amène un bonheur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana lahu sabi, fal yatasaba lahu. Alors, c'est lui qui est un enfant, alors qu'il dit, ici, il y a un enfant pour ses enfants-là. Alors, il y a un petit. Lui dire une parole qui doux, lui faire tout pour faire les enfants-là contents, reste happy. Alors nous pouvons trouver comme ça même, et il y a beaucoup de paroles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Par exemple, il dit, Rihul walad min rihil jannah. Ici, il s'agit de mon walad, mais il veut dire garçon et tifi tous les deux. Parfum de un enfant, c'est un parfum de jannah. Alors quand un enfant fait une vie au monde, il fait une vie avec un parfum de jannah. Alors comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a cité un hadith d'une cause concernant les enfants. Alors il dit rahmatul lil alamin, il y a une rahmat pour les enfants aussi. Alors il cause beaucoup hadith il y a concernant les enfants. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja inna li kulli shajaratin thamar wa thamaratul qalb al-walad. Alors ici al-walad comme on dit garçon et fille, un enfant. Alors, certainement, tout ban zab, je gagne ban fruit. Et fruit de nous l'équerre, c'est un enfant. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous dans l'autre hadith, il dit, al-walad thamaratul qalb, alors un enfant, c'est fruit de nous l'équerre. Une fois, Sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala, il rentre côte. Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala, Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala, tu peux faire ses enfants danser. Vous connaissez? Tap tap la main, fais enfants-là danser un tigit. Alors, les enfants-là s'appellent Aïcha. C'est ce enfant, ça. Alors, les pose question, Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala. Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala, il a dit, Havihi tuffahatul qalb. Ça, c'est tuffah, il y a pomme. Ça, c'est pomme de Molikéa, ça. Alors, nous trouvons comme ça même, beaucoup de sahaba radiallahu anhum. Par exemple, ça. Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala, il amène ses enfants tous les temps avec lui. Salim. Nous vous trouvez qu'Abdullah ibn Zubair radiallahu ta'ala, il veut faire ses enfants danser. Ça veut dire, bougez, les enfants contents danser. Alors ça, c'est façon que les sahaba fin obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Badiner avec les enfants-là, faire les rier. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, plus meilleur parfum, c'est parfum en jannat. Parfum jannat et parfum jannat, l'eau la terre, c'est parfum d'un enfant. Alors, comme ça même, nous trouvons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les filles montrent-nous qu'il y a jannat dans la case. Ça, la case-là, c'est ben du monde qui fait un enfant rien. Et ça, ben, frère, ou fait un enfant rien. Ou met contentement d'un enfant sur l'équerre. C'est facile ça, ou c'est un petit bon mot de nous, il est content. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a la case de Jannat, appelle ça Darul Farh, la maison de la gaieté. Qui s'en a pour rentrer dans la case, ben, qui, il fait un enfant rier, il met contentement de l'équipe un enfant. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous comment bien vivre avec bons enfants. Il dit, nous, qu'un enfant, ou même, vous avez des enfants. Alors là, l'Ipédiaou, vous gagnez la case de Jannat dans l'autre riwayat.
seulement pas faire un enfant rigué. Pas faire dire content, pas mettre la gaieté d'un enfant sur les cœurs. Alors comme ça même ne vous trouvez, un enfant est important, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de hadith, il servit le mot mawhoub, qui était ça, il servit le mot hiba, qui était ça. Alors hiba veut dire cadeau. Alors un enfant c'est un cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne à sa famille là. Alors ben prophète, tous les temps Allah fin jazut, fin jazut, fin adoua avec Allah pour gagner ben les enfants. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne jeunes enfants l'in servi le mot bouchra. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Alors Allah fin donne la bonne nouvelle. Alors bouchra c'est une bonne nouvelle ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne jeunes. Alors je fin gagne un enfant. Alors comme ça même ben prophète il pleurait devant Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala donne jeunes enfants. Alors pareil comme ça même Ibrahim alayhi salam fin gagne ses enfants, ses premiers enfants là de 80 ans. C'est Ismaïl alayhi salam. Zacharie alayhi salam fin redonne ses enfants dans vieux jours, il suppliait Allah et Allah fin donne lui Yahya alayhi salam. Alors définitivement un enfant est très 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 important. Alors nous vous trouvez qui beaucoup ben salafus salihin dit al-banun ni'am wal-banat hasanat. Alors gaugain garçon c'est une faveur ça, et gaugain tifi c'est une bonne action ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala vous rend compte pour faveur que Allah il fait l'eau, tandis que vous rend compte pour récompense qu'Allah nous donne. Alors Islam c'est un valeur identifié. Aucune religion va finir identifié ça mon frère. Ça m'identifie là pour venir une protection pour ce maman papa jour qu'il. Alors ça même Islam à l'époque, ça à l'époque là quand certaines péantières identifient vivant, l'autre pébril ban madame quand notre monsieur est fini mort dans l'Europe. Pas tu considères même ban madame comme ban dimoun. Alors salia la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pekos get un petit enfant bien, get tifi bien, donne tifi valer. Sa tifi là c'est une protection ça contre l'enfer. Sa tifi là pour amener dans jannat. Donne l'éducation lui obligatoire pour garçon et tifi pareil. Alors ça, c'est révolution que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min amené, mon frère. Alors, il met nous devant nos responsabilités. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Je tout, je ban béagé, je tout responsable pour je troupeau. Alors, nous responsables pour nos bons enfants. Alors, il n'y a aucun doute là-dedans. Et n'a pas de devoir qui nous est envers nos bons enfants. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous comment nous vivons avec bons enfants, et il montre nous qui quand est bon qui de sauce, c'est nos enfants qui viennent, ils sont sortis de Jannat, ils amènent parfum à Jannat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, badine avec lui, fait lui rire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qui quand les enfants là viennent, ils amènent contentement. Il amène l'honneur. Maintenant, définitivement, il y a certaines responsabilités. Responsabilité parents-là, par exemple. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les met nous devant nos responsabilités. Dans un hadith, il dit, nous avons trois devoirs vers les enfants, nous qui parents. Alors, donne-lui un bon nom. Donne-lui une bonne place pour y rester. Et montre-lui bonne manière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qu'il n'y a aucun cadeau, qu'il y a un papa capable de donner ses enfants plus meilleur qui bon manière, bon adab, respect. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut montrer nous, peut faire tarbiya. Il peut montrer nous qu'il lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il y a quatre tifis, trois garçons. Alors maintenant, lui-même, il y a un papa exemplaire. Lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il était comme un papa? Alors, connais qu'à ses enfants, tu peux venir côté lui. Ce bon garçon, il est égal, quand je tiens pas au petit. Mais qu'à ce bon petit fille, tu peux venir côté lui. Qu'est-ce que tu peux faire, sallallahu alayhi wa sallam? Maintenant, tape la porte,
Les djiboutés pour manla. Jeune fille d'une grande l'âge marié, mais seulement qu'il y fait. Il embrasse ce bantifi. Place contre l'île assise, il prend ce bantifi, il fait ajoute assise là-bas. Les causes en ajoute. Ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon frère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et montrer nous-mêmes comment nous vivre avec nos bons enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous premier qui sont donné le bon nom. Mettre ce nom Abdullah, Abdurrahman, mettre ce nom Muhammad. Alors, il y a beaucoup vertu de ce bon nom-là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous pas mettre bon nom qui est un mauvais nom. Par exemple, pas mettre Harb aux enfants. Pas mettre aux enfants ce nom Murra. Alors, ben mauvais nom. Alors, aujourd'hui, jour, beaucoup ben de monde peut copier ben nom étranger à l'islam. Alors, pas faire ça, ben frère. Pas mettre ben nom, ben enfants qui ont pas connu ce meaning. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Iza kana yawma al-qiyamati nada munadin, ka kayamat pour venir, en dikan pour crier, debout tout ben qui zot nom, appel Muhammad. » فيدخل الجنة كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم أبو جزء غد الجنة كيف أبو جزء غد الجنة كرامة للنبي أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوك مجين زافر أن قاسو متسنو محمد أبغني ليرالج لجتنو ألوكم سمم كسلنا بن كبو كبوال دلان فيها aussi pareil comme on parle dans le hadith بن كبو دلان فيها car vous t'y ajoutez pour mettre jod dans la jannat. Là aussi, vous dire premier parmi jod, ça s'appelle Muhammad, il est sorti premier. Alors ça, pareil comme ça même maintenant, l'adab. Pas moi, il y a un petit fille maintenant. Moi, mettre un nom qui est attaché avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Soit un ce petit fille, ce nom. Soit un ce madame, ce nom. Soit un ce man sahaba, ce nom ensemble. Parce qu'il s'amène barakat. Alors, il n'y a aucun doute, mon frère. Et il y a une action qui vise à faire. Malheureusement, aujourd'hui, ben, des gens peuvent mettre doute l'eau là. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait, il dit, celui qui, un enfant, fait prendre naissance, kotli, de nazan, fi uzunihi l'yumna, wa aqama fi uzunihi l'yusra, lam tadurhu umma s'bian. Alors, celui qui, quand ses enfants fait prendre naissance, alors, il fait de nazan dans son oreille côté droite, et il fait donner karmat dans ses oreilles côté gauche. Alors il y a un djinn qui appelle Ummu Subyan. Ce djinn-là n'a pas pour faire l'idito. Alors ce hadith-là rapporté d'Abu Ya'la. Et tout ben ulama dans tous les quatre madhab. Je veux dire, ça c'est une pratique mustahab ça. Mais malheureusement, il y a un djinn qui a une fatwa ou internet partout. Pas qu'on ait même qui n'apprend, qui pas n'apprend. Alors il ne peut pas exister ce hadith. N'a'oudhu billah. Alors pareil comme ça même. Qui fait à nous de Nazan maintenant? Il y en a beaucoup raison. Qui fait à nous de Nazan et qui kamat? Un parmi mal raison, comment le Cheikh Abdul Haq Muhaddith al-Dahlawi dit, nous de Nazan avec Ikamat parce qu'il y a namaz, de Nazan, puis Nazan et puis Ikamat. Alors, quand un enfant-là prend naissance, la cause même de Nazan, un parmi mal raison, qui de Nazan dans ses oreilles côté droite et Ikamat dans ses oreilles côté gauche. C'est Azan et Kikamat de ce namaz d'Anaza qui peut faire Kalipoumo. Alors, définitivement, ça Azan-là, protège-li, compte, Shaitan, définitivement. Ensuite de ça, nous vous trouvez qui, car septième jour, bizarre de nos enfants là ce nom, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous. Bizarre rase ce cheveu. Alors, car rase ce cheveu, paie ce cheveu, ce poids, et ensuite de ça, comme Yessil va l'y faire. Alors, ce valet argent partagé en charité. Et ensuite de ça, faire ce haqiqa. Haqiqa, c'est pas obligatoire, ça. C'est une action qui est mustahab, ça. Alors, nous faire ça comme une protection pour ces enfants-là. Alors, ça, c'est une pratique qui est bizarre, faire, qui est recommandée faire quand un enfant prend naissance. Et s'il y a un garçon, alors, garçon-là, faire katna. Alors, katna, c'est un, ce qu'on appelle sunna, c'est sunna al-fitra. Alors, tout bon prophète, depuis Ibrahim, alayhi salam, il fait ça. Alors, ça, c'est un sunna de tout bon anbiya qui fait venir. Ensuite de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre-nous,
Comment Lubizin grandit ces enfants-là? Alors, les montrez-nous maintenant responsabilité, parents-là. Alors, par exemple, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dis aux bons enfants, fais un amas, qu'arrive là, 7 ans. Alors là, il est bien, bien important. Maintenant, ma sahaba demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith, quand nous bisons au don, nos bons enfants font namaz. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est capable de différencier entre sur la main gauche avec sur la main droite. Alors, maintenant, qui veut dire bâti? Bâti, pas veut dire attraper, bâti, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il empêche de battre le visage. Pareil comme ça même bâti, il a adapté de bâti. Soit on prend un petit rotin ou bâti, soit vous la même messement ou évite visage. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, montrez-nous qui est un parent pas besoin de battre ses enfants plus qu'il trois fois consécutives. Quand on bat tous enfants plus qu'il trois fois consécutives qui arrivait, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les enfants là éloignés avec vous. Alors jusqu'à ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, montrez-nous. Alors, montrez-nous, bons enfants, Coran, maintenant. Depuis petit, petit, même, Olivier, qui, comme on dit, trempé, même avec la musique de YouTube. Alors, montrez-les, Coran. Au moins, avant les rats madrasa, sur la Fatiha, sur la Ikhlas, qu'il y a Allah, wahad, les bouconnés. Alors, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs hadiths. Un hadith, il dit, c'est lui qui montrez ses enfants un ayat de Coran, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous donnez la chaîne qui vous brillez jour kayamat et sa la chaîne là tout ben du monde pour envier ça. Pareil comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un papa qui montrait ses enfants un ayat de Coran, kana thalika khayran lahu min ibadati alf sana. Les plis, mais un ayat de Coran, si un papa montrait ses enfants. Les plus meilleurs qui ibadat mille banani, suyam nahariha, de sa mille banani là, l'ingad rosa tous les jours la journée, wa qiyamu layaliha, alors les fin fait namaz toute longue la nuit. Alors les continuer, les dire, khayran lahu, min alf dinar yatasaddaqu biha ala al fuqara wal masakin, les meilleurs qui mille dinar, mille pièces en l'eau. Qui s'est dit, mon là capable de donner en sadaqa, en charité. Alors, un ayat de montrer aux enfants, ou gagne sa quantité récompense, là, mon frère. Un ayat, sa quantité savab, là. Alors, les plus meilleurs qui badat, mille bananes, les plus meilleurs qui donnent sadaqa, mille coins à l'eau, mon frère. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous comment pour faire, mes enfants. Alors, il dit, premier, hubbu nabiyikum, montrez aux enfants l'amour pour Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, hubbu ahli baytihi, alors montrez aux enfants là, pour content la famille Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième, qira'atul Qur'an, alors montrez aux enfants là, lecture Qur'an. Pareil comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il montre nous akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Meilleur parmi eux, c'est lui qui n'a plus bon manière. Comme dans le hadith paraît l'inisaihi wa libanatihi. Parce que bonne madame et ce bon enfant. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui montre maintenant l'eau madame, l'eau enfants dépenser l'eau autres. Ça, c'est sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pas hésiter pour dépenser nos enfants. Pas hésiter pour dépenser nos madames. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça même plus meilleur. Ça, les plus meilleurs qui sadaqa ça. Et là, il y a des gens qui disent, il m'a fait un temps sadaqa, Allah vous repousse malheur. Faire aux madames, aux enfants contents. Ça même plus meilleur qui ça. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, montre-nous comment bien vivre avec bons enfants. Comment bien vivre avec bons gens dans la case. Il dit, hin, lin, sahl, qarib. Alors, qui c'est un gens qui est facile. Il n'est pas fait difficile dans la case. Alors, c'est un gens doux. Alors, c'est un gens qui est proche avec la famille. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plus loin avec Allah, c'est lui qui plie dire envers la famille. Tant qu'il vous montre ou dire ou penser,
Ou plus meilleur, non, ou même plus loin avec Allah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Charrun nas al-mudayyik ala ahlihi » Mudayyik qui veut dire « Plus mauvais du monde, c'est celui qui fait difficile avec sur la famille. » Alors qui veut dire ça? C'est celui qui pardonne sur ma femme la famille. Il n'y a pas de pensée sur la famille, oui. Mais ici, comme l'imam al-Munawi dit « Rahmatullahi ta'ala alayhi » C'est un démon qui, si sur la famille, tu peux faire quelque chose dans la case, et lui, il rentre, je t'arrête de faire ça. C'est pire. Ça qui prime le mauvais démon. Dans le regard de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait? Parce que je te perds, papa l'a venu, alors je te perds. Qui fait bien pire? C'est Seyyidna Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala, nous tous connaissons ces histoires. Qui qualité dit? Sévère. Mais quand ils rentrent dans la case, et tu commandes les enfants pour rentrer dans la case. Alors, causer, rier, badiner dans la case. Alors, ça, c'est digne. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est content faire, il est content rier, et il est content faire sur la famille rier. Alors, ça, c'est méthode de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, maintenant, en tant qu'un parent, lève-nous la main, fais un doigt, bon frère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, un papa se doit pour ses enfants jamais résister. Dans l'autre hadith, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, hijab, Allah avec lui enlevé, car sa papa-là demande doigt pour ses enfants. Dans l'autre hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, un papa qui demande droit pour ses enfants, les comédiens, le prophète peut demander droit pour son ummat. Alors, jamais pas oublier aux enfants dans le droit. Aux enfants, ils passent avant tout dans le droit. Alors, mon frère, ça, c'est méthode de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a fait des efforts, mais en pratique, mon frère. La compassion, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre sur les enfants, tu peux embrasser. Les petits enfants. Alors, une fois, il prend sur petits enfants, Sayyidina Hassan, il embrasse, alors, tu es un sahaba, Akra ibn Habis. Dis-moi, il y a 10 enfants au messager d'Allah, jamais on embrasse quelqu'un. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, Allah, yarham la yurham. C'est lui qui peut na raham, Allah peut na raham pour lui. Yet nous messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'autre riwayat, les jala yadkhul al janna illa rahim. Et sa personne va vous rendre dans la jannat excepté celui qui a la compassion. Ses enfants, ses petits-enfants, quand tu peux faire sijda, tu peux monter sur les deux. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a dit pour relever maintenant, depuis sijda. Mon sahaba dit au messager d'Allah qui est arrivé. Il dit à Sayyidina Hassan, radiallahu ta'ala, les petits-enfants, ils montent sur les deux. Alors, ils peuvent jouer, mais pas qu'ils ont envie, comme on dit, déplaire lui. Laisse-les finir jouer, les rames levées. Ils prennent les enfants, Oumama, ces petits-enfants. Alors, qu'ils les prennent, ils prennent lui, ils mettent lui là, ils saillent lui, ils font un amas, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, c'est méthode. De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous-mêmes, mon frère, comment bien vivre. Parfois, nous reconnaissons beaucoup sunnat, mais sunnat de base, nous pas mettre en pratique. Nos familles, c'est ce qui est plus important, avant tout. La famille passe avant tout du monde dans la société. Alors nous, Rasul, fait montrer nous d'un jeune les temps. Passe bon les temps avec jeunes. Badiner avec eux, causer avec eux, les enfants là viennent côté, écoute-les. Qu'il y en a pour dire? Donne-lui l'importance. Développe son caractère. Montre-lui ce pote. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, combien de hadiths une cause concernant ce pote? Il montre aucun croyant qui faut primer qu'un croyant qui faible. Lui montre-nous qui Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala a montré nos bons enfants nazis. Montrez aussi nos bons enfants Koumakoud. Qu'ils ont dit c'est un sunnat qui peut enlever. Ma petite fille pas qu'on coude. Alors un petit linge, mais j'ai connu ça. Alors pareil comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montrait la justice, mon frère.
Bankina, des enfants, trois enfants, ont envie d'un cadeau, d'un jeu tout pareil. Un petit gâteau, et n'a pas un gâteau, l'autre là, un gâteau, comment est-ce que vous avez pareil? Ça pas compté ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous la justice. Il dit, fais la justice envers les bons enfants. Attention, fais la justice envers les bons enfants. Quand il y a un bout d'un cadeau, donne tout pareil. Ou envie d'un petit quelque chose, donne tout pareil, ben frère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça même qui va nous la main, il dit, haram ça. D'après Madhab Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Vous donnez aux enfants un cadeau, ou on a des enfants, on va donner notre lala. Ou vous avez tout le débarrer. On vient acheter un bon père soulier pour son lala, ou acheter un bon père soulier pour l'autre lala. Ou content son lala, ou caresse son lala, ou caresse l'autre lala pareil. Jamais on montre qu'il est content, un plus qu'il l'autre. Ou vous êtes content tous les débarrer. Ou on a trois enfants, on compte tous les trois pareil. Ou on vient acheter un cadeau, ou acheter un cadeau pareil. Alors, tout le temps, faire la justice avec bons enfants. Pas faire délisier avec bons enfants. Pas être un de sa façon-là, être un autre de l'autre façon, bon frère. Alors, ça, c'est quelques paroles qui nous essayent de montrer où, comment Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous vivre avec cela, famille. Alors, si nous pouvons vivre comme ça, les enfants-là pour approcher avec nous. Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, comment les traiter envers ces bons enfants? Alors, il peut pleurer quand ses enfants pleurent, pas sentir du bien, il est triste. Quand ses enfants quittent Dunia, il pleure, mon frère. Il est content quand ce garçon, quand ses enfants, content. Alors, il donne ses enfants maximum possible. Il fait tout pour ses enfants, mon frère. Alors, il montre nous qu'il est de l'avant. Montrez aux enfants l'éducation. Donne-je de bon l'éducation. Montrez-je de sport. Montrez-je de Coran. Montrez-je de tout bonne meilleure façon. Guette-je bien, bons enfants. Alors, ça, c'est le devoir, ça, mon frère. Pas néglige nos bons enfants. Guette-nous, bons enfants, bien. Parce que nos bons enfants, ils sont sous nos responsabilités. Et nous tous, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, nous tous, nous bons bergers, et nous responsables pour nos troupeaux. Alors, nous responsables pour nos enfants. Dis, mais, nous pas capables de dire devant Allah, nous pas faire maximum pour nos enfants. Alors, comment nous dire? C'est ça important. Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de tout aspect sur la vie. Et on a dit qu'on fait beaucoup ibadat namaz, mais c'est demandé sur la famille, une église sur la famille. Ça, l'islam pas de montrer ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un lire pour chaque petite chose. Un lire pour sur la famille. Un lire pour, si pas, sur le travail administratif. Alors ça, c'est très très important. Classification, besoin donne nos bons enfants ce qu'on appelle quality time. Passe bon le temps vers eux. Pour pas capable de faire des efforts, bon frère, il y a une lire, t'as sa portable là. Pour soit mettre l'île au sainet, cause et cause enfants. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, écoute nos bons enfants. Si nous, nous pas pouvons écouter nos bons enfants, qui sont là pour écouter eux? L'air là, quand je finis par un mauvais cimé, l'air là, qui nous pourra réaliser, mon frère? Alors ça, comment nous redire ces méthodes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même nous dit, c'est lui qui pas suivi mon sunnat, il n'est pas parmi moi. Alors, à nous faire un effort, nous mettons tout sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en pratique dans nous la famille, dans nous la case, bon frère. Inch'Allah, Allah pour faire nous la case, une jannat, inch'Allah. Avant le goût de jannat, quand Allah, Allah, pour faire nous la case, même vint jannat, inshallah. Qui Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous-mêmes, mais nous tout tawfiq pour mettre en pratique ce qui nous fait apprendre. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.